Pierre, salut. Est-ce que tu as été étonné de voir autant de polémiques après la mort de Johnny? Ces histoires dans la presse? Non, pas du tout. Tu savais que ça allait faire du bruit? Ouais, quand on est arrivé à la Madeleine, je savais que ça allait mal se passer, ouais. T'as ressenti qu'il y avait des éclats qui s'étaient... Oui, il y avait un mur entre les deux, ouais, bien sûr. C'est ça, et il aurait jamais voulu ça, Johnny? Ah non, non. Ou alors, j'en sais rien, il aimait tellement foutre le bordel. Non, franchement, je sais pas, c'est pas lui qui l'a voulu, bien sûr, mais enfin, non, non. Oui, non, sans tabou, je pense que je savais que ça allait, qu'il allait se passer des choses pas sympas. Tu trouves ça bien qu'il y ait aujourd'hui des titres inédits de Johnny qui sortent? Voilà, des titres qu'on n'a jamais écoutés. Bah, à partir du moment où il les a chantés, oui. Alors après, c'est pas lui qui a cautionné pour les sortir. Mmh, ah oui, voilà. Il a pas cautionné. Voilà. C'est pour ça que Maxime, c'est compliqué pour lui. Par exemple, Maxime Nucci, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il a été au bout d'un disque, le dernier disque, le disque posthume, il a été au bout d'un disque où Johnny n'était pas là pour dire ouais, c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien. Il n'avait pas eu fais. La validation. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas le final cut, donc c'était assez compliqué. Ouais. Ouais, t'as déjà un peu répondu à la question, mais refaire des road trips américains sans Johnny, vous y pensez encore? Ouais, bien sûr. Ouais. On les fera par respect. Hein. Ouais, par respect, bien sûr. Par respect et par hommage. Oui, on fait des petits hommages comme ça et puis on revoit les endroits. Pour moi, c'est mieux que d'aller sur la tombe. Quoi. Mmh. Qui est le plus compliqué dans le travail? C'est Johnny Hallyday ou Michel Sardou? Aucun des deux n'est compliqué. Quand t'as été bon, quand t'es très mauvais, les deux sont très compliqués. Ouais. Exigeant, plutôt. Compliqué. Exigeant, les deux sont exigeants, évidemment. Même si t'as tel plaisir de travailler avec ces gens-là que voilà. Mmh. Est-ce que le rock'n'roll est mort? Il n'est pas en bonne santé, de toute façon, ça c'est sûr. Mais non, en France, ouais, il commence à mourir sérieusement. Ouais. Ouais. Il y a des pays où il continue à être très très vivant, mais en France, on ne peut pas dire qu'il soit au top. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Baptiste Guégan, qui a la voix de Johnny et qui ne veut pas être considéré comme le sosie vocal de Johnny, et pourtant il l'est, d'une certaine manière? Bah, il chante bien, Jean-Baptiste. Ouais. Il chante bien. Moi, je l'avais trouvé sur la Française des Jeux il y a 15 ans en Bretagne. Ah oui. Ouais. Et il avait fait la Française des Jeux avec moi il y a 15 ans en Bretagne. Il est vraiment habité. Vraiment ouais. Habité. Alors, je ne sais pas après quelle va être sa carrière avec des chansons qui ne sont pas orientation de Johnny. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mm-hmm. J'en sais rien. Mais enfin, lui, le gamin est honnête. Il est honnête, voilà, il le fait avec cœur. Totalement honnête. Mais enfin, bon, on va amener au même problème. Il chante exactement comme Johnny. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas un imitateur. Je pense qu'il ne peut pas chanter autrement que comme ça. Mm-hmm. Il est habité parce qu'il n'a jamais été. Quand il a quitté l'école, il s'est rentré directement dans les DVD, dans les livres et dans les machins de Johnny. Il était habité complètement par Johnny. Mm-hmm. Alors, après, je te dis, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui, mais j'espère que sa carrière va se faire. Mmh. Mais enfin, heureusement que Johnny est mort, parce que sinon, il serait en train de faire la pizza Pino à Marmoutier. Bien sûr. Et on passe au tac au tac. C'est parti, tac au tac. Tu voulais qu'on dise sans tabou, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Oui, c'est Pierre, rock ou blues? Les deux. Les deux, c'est la même musique. Ouais. Johnny rock et le blues ont les mêmes structures. Johnny Hallyday ou Jean-Philippe Smet? Johnny Hallyday pour sa musique, pour ce qu'il est, et puis Jean-Philippe Speck pour quand il tourne avec nous en moto. Nashville ou Los Angeles? Nashville. Trump ou Biden? Trump. Very Bad Trip ou Road Trip? J'ai aimé les deux. Et j'ai vécu les deux. Très j'ai bien, en tout cas. J'ai même vécu des Very Bad Trip dans les Road Trip. Ah oui, vraiment? Je veux dire, ça existe. Ah, récemment encore? Ouais, ça existe. Récemment encore, non, c'est bah oui, oui, avec Johnny, quand vous aurez le film qu'on vous donnera d'ailleurs, je vous ferai porter ici, tu verras qu'il y a des very bad trips à certains moments. Ah oui, à ce moment. Ah bah, quand tu pars le matin qui fait 28, 30, 40 degrés, que t'es en t-shirt et que 3 heures après il fait 2 degrés, que tu prends des grêlons comme ça sur la gueule, ça c'est le vrai, very bad trip, hein, je le dis. Ouais, mais en tout cas, le road trip, on le retrouve dans ce livre Johnny Hallyday On the Road Again, livre plus CD, et il va y avoir aussi un film qui va sortir. Ah oui, ça va être magnifique. Ouais. Sur France 2, je crois. Ouais, ça va sortir sur France 2 et le coffret va sortir par Warner. Il sort le coffret dans le 24, je pense. C'est un film documentaire, on est d'accord. Hein. Alors, sur le coffret, il y a un doc, il y a le fameux doc du road trip qu'on a fait en 2016. Il y a un live de Johnny Amérique, mm-hmm. qui est bien foutu, que personne n'avait jamais vu. Donc, il y a plein de trucs. Enfin, non, c'est vraiment bien. Très non, je pense que c'est un beau cadeau. Et ça sort quand ça sur France 2, ce film documentaire? Vous avez une date à peu près? Non, je pense que c'est la fin de l'année. Je pense qu'ils vont le mettre en décembre. Ouais. Un bon truc en prime un bon time. Truc. J'espère qu'ils le mettront pour en face de Masked Singer, c'est tout. On rappelle Masked Singer, non, pour lequel vous êtes le directeur musical. Exactement. Voilà. Ouais.